Salut les HDPeurs, ici Vincent de HDP TV. Après avoir pédalé de San Francisco à San Diego, me voici aujourd'hui à Los Angeles. Aujourd'hui, je vais me décrasser les jambes. Je vais en profiter pour vous faire visiter le downtown. Entraînement pompier motivation, épisode 5. Jusqu'ici, nous sommes passés par les plages de Malibu où j'ai pu rencontrer les sauveteurs en mer, les lifeguards de Los Angeles. C'est la plus grande unité professionnelle de sauveteurs en mer. Plus de 130 professionnels à temps plein et 650 saisonniers se partagent les 50 km de plage et les 116 km de littoral que constitue la côte de Los Angeles. Alors Los Angeles, c'est une ville immense avec plein de quartiers différents. Là, je suis au downtown où se trouve le quartier des affaires. À Los Angeles, il y a Venice Beach, mais aussi Beverly Hills et à quelques kilomètres d'ici se trouve Hollywood. J'ai d'ailleurs visité la caserne qui défend ce secteur. Si on compare cette caserne avec les casernes parisiennes, j'ai trouvé quelques similitudes avec la caserne de Blanche, car Hollywood Boulevard m'a fait penser à Pigalle. Ethan, qui est sapeur-pompier depuis plusieurs années dans cette caserne, m'a parlé des nuits agitées. J'ai vécu les mêmes nuits au VSAV de la CCL lorsque je prenais mes gardes à Blanche. De plus, dans cette caserne comme à Blanche, il n'est pas rare de croiser quelques célébrités, comme ici avec Kevin Costner. La caserne a aussi servi à de nombreux tournages. Ce jour-là, Ethan était le conducteur du chef de bataillon Robert Caropino. Quand il est de garde, le chef de bataillon est responsable de 8 casernes, ce qui représente tout Los Angeles. Autant dire que ces gardes sont plutôt mouvementés. La veille de ma visite, il a commandé un énorme incendie qui a ravagé plusieurs bâtiments. Voici quelques images de ma visite. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à la partager, à aimer notre page Facebook HDP Histoire de Pompiers, à vous abonner à la chaîne YouTube HDP TV pour ne rien manquer. Je vous rappelle que vous pouvez commencer mon programme d'entraînement qui va vous aider dans votre préparation pour devenir sapeur-pompier. Vous rejoindrez ainsi Florian, Anne, Rémi, Lionel, Chris, Boris et les autres qui chaque jour dépassent leurs limites pour devenir plus forts.
Pour commencer mon programme d'entraînement, vous trouverez le lien dans la description si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Si vous regardez cette vidéo sur Facebook, le lien pour commencer ma méthode d'entraînement est dans les commentaires. Demain, je pars en direction de Las Vegas. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Rompez et que Sainte-Barbe vous protège.